Le gouverneur de province du Nord, Kivu, honorable Caroline Nzanzu Kasivita, a reçu dans sa résidence officielle ce vendredi 9 août 2019 M. Pierre Devriès, responsable de la santé de la famille internationale, une organisation qui milite pour la riposte contre la maladie à virus Ebola. Interprété par M. Désiré Bonhomme de la même organisation, M. Pierre a dit à la presse que son organisation est hautement impliquée dans la riposte. My name is Pete DeVries. I work for FHI 360 as a technical advisor, specifically on the Ebola response in Congo. And we met with the governor today in order to talk about our Ebola response program and some of the additional activities that we're doing in North Kivu. It was a good meeting, and he's very supportive and receptive to the programming that we're doing. So, mon nom est Pierre DeVries. Je travaille comme conseil technique pour FHI, qui est une organisation internationale américaine. On a eu la réunion avec le gouverneur, qui était une très bonne réunion. Le gouverneur a été supportif, il nous appuie dans ce qu'on est en train de faire. C'est dans le cadre de la réponse Ebola, la résurgence Ebola qu'on est venu voir le gouverneur, son excellence. Et qu'est-ce que vous allez apporter concrètement dans cette lutte, dans cette riposte contre Ebola? What are you doing concretely for the Ebola response? Our primary activity is safe and dignified burial. So when people die of Ebola, their bodies are very infectious and must be treated in a safe manner, which is not a traditional burial method. So we are also very involved in community engagement in order to explain to the people, and particularly community leadership, the need for this intervention and to seek their support. So, la première chose qu'on est en train de faire, c'est les enterrements dignes et sécurisés. Quand les personnes décèdent de la maladie avec le Ebola, ils doivent être enterrés suivant les protocoles. Pour le moment, c'est ce qu'on est en train de faire pour s'assurer que l'infection, la maladie ne puisse pas se transmettre à d'autres personnes. Vous avez commencé. Et puis, on a aussi un volet de l'engagement communautaire où on implique les leaders traditionnels locaux pour qu'ils puissent eux-mêmes conduire et persuader la communauté pour accepter que la maladie Ebola est une réalité. Vous opérez où? Nous opérons à Butembo. On est à Butembo, on est à Bunia et on est à Komanda. Et bientôt, on va commencer notre équipe à Bini. Pourquoi avoir annoncé ça aujourd'hui au gouverneur? C'est parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de le rencontrer. Vous savez, pour rencontrer son excellence, ça prend beaucoup de temps. Il est trop occupé, il voyage beaucoup. He said, why you didn't announce it before? I said, the governor is a busy man. It's a chance to have him and to receive us. We have tried many times, but today we succeeded. Aujourd'hui, on a réussi à avoir les rendez-vous. On est très content and we are happy. Depuis combien de temps vous êtes là? On est là depuis... He said, how long have you been here? Depuis le mois de mars, on a commencé les activités.